Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode. J'ai enfin franchi les deux épisodes de tous mes derniers let's play du premier coup, je suis content en plus avec Grenade. Et ben on va enchaîner cette guerre, cette conquête castillienne. C'est pas facile du tout. Je vais perdre ce combat. Alors, on va revenir à ce tas. Les Ottomans, s'il vous plaît. Bizerte, c'est où? Bon, venez, prenez votre temps et venez. Voilà. Allez, les gars. Ils sont à moins 3. Ils ont trop d'hommes. 0. 0. Et oui, mon ami! Écoutez, moi je pense qu'il faut que je prenne ça. Beaucoup quand même. Hein. Allez les Ottomans. Putain, pourquoi tu t'arrêtes? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils foutent les gars? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Hallucinant! Il y a zéro raison pour laquelle faire ça. Il y a absolument zéro raison, mon frère. Et dans, si je dis les Ottomans, pouvez-vous faire ça et ça? Faire quelque chose en fait. Juste faire quelque chose, les gars. S'il vous plaît. Je vous demande pas grand-chose. Demande juste à ce que tu participes à la guerre dans laquelle tu es en fait. C'est tellement frustrant les gars. Allez les gars. Ah, compliqué. Excusez-moi, je regardais juste un petit texto. Allez les gars, 22 000 hommes. Allez, 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 j'y crois. Où sont les Marocains? Mais qu'est-ce qu'ils foutent maintenant? Mais qu'est-ce que... Où est-ce que
tu vas? Non mais, sérieusement les gars, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Me dis pas que tu vas là, je m'en bats les couilles de ça. Non, non, les Marocains, tu vas ici. C'est hallucinant, une IA aussi pourrie, quoi. En vrai, ils reviennent. Ah, les Ottomans sont là. Les gars, on va le faire. Voilà, ça va être un massacre. En vrai, je sais pas du tout ça va être comment. Putain, mais ils sont trop nuls, les Ottomans. Attendez, 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 qu'est-ce qui se passe? Toi, on s'en fout. Non, par contre, toi, si je peux te prendre ça. Ou c'est l'autre armée. Oh. Ils vont former la Croatie, hein. Mais ça me saoule, putain! C'est de la merde! Comme en économique. Économique, ça peut être que positif. Okay. Bon, ça devrait être bon là.
Bah merci la France. Alors attends, tu m'aimes ou pas? Non, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Pas du tout. Bon. On va la gagner, mais ça aura été compliqué. Ok. Bon, alors, je suis content évidemment. Je suis content, mais waouh. Ça va être compliqué là.
ça s'est plutôt bien passé. Même très bien. C'est très bien passé. Indispensable de faire baisser. Parce que là, je vais. C'est même pas des. C'est un peu plus bien. Parce que là, je pense par contre, les révoltes en Espagne vont être vénères. Non, ça va. En vrai, on fait quoi? On les laisse. Allez. Je suis tellement concentré, les gars, vous réalisez même pas à quel point. Là, je fais. Allez, les gars, défoncez là.
Non, mauvaise idée. Mauvaise idée. Ça, c'est pas d'ailleurs, si. Merde, oh, j'ai fait n'importe quoi. Désolé. Ça, c'est d'ailleurs. Putain. Je vais prendre ça, je sais pas pourquoi j'ai un autre. Allez les gars. Allez, allez. À zéro là. Oh mon dieu! Restez amis avec moi, s'il vous plaît. Hein. Je vous en conjure. Je dépends de vous. Je dépends de vous comme jamais. J'ai la savoir en plus, ça c'est cool. Excuse-moi, mon ami, bonjour, peux-tu m'aider Peux-tu siéger, s'il te plaît? Non? D'accord. Bah, j'apprécie. J'apprécie. Bon, on va attendre tranquillement. Hein. Il y a Moscou. Les gars, quelle partie! Je suis trop content. J'ai jamais réussi avec grenade. Hein. Par contre, offensivement, quoique en vrai, avec Maroc, on se débrouillait. Hein. Ah ouais? Ah bah oui, carrément. En vrai, je suis pour. Hein. Ouais, carrément, mon frère. Comme ça on peut faire ça, tac, et voilà. En plus c'est pour mon héritier, et bah c'est pas grave. Si j'avais su je l'aurais fait avant, mais c'est pas, c'est quand même pas. Et il m'en manque pas beaucoup hein. En vrai si j'ai ces trois là et ça c'est bon. J'ai rarement eu une post-guerre aussi, aussi voilà, mais quand même réussi. Alors, honnêtement, le truc c'est que si.
non, en vrai, je peux pas les attaquer. Je peux pas. Il me faut de la manpower, il me faut. C'est vraiment compliqué. Et eux, en vrai, je pense que je vais les annexer. Ce qui me sont un peu inutiles, en vrai, comme ça. Je vais regarder vite fait comment on crée la Croatie. Croatia EU4. Ah oui, perte 2 en corruption, je dis oui. Alors, formation. Ça a. Ah, il faut Zagreb. Il faut Zagreb, Dalmatie. Bon, en gros, il faut toutes les provinces de culture croate. Hein. Il faut Istrie? Non, il faut pas Istrie. Donc, il faut pas ça. Il faut Slavonie. Il faut ça. Il faut ça. Il faut ça. Et il faut pas Dubrovnik. Donc en vrai, il faut genre ça. Ah oui, donc il faut genre ça. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Autant pour moi. Autant pour moi, les amis. Ouais, vous voyez, je peux pas les attaquer, je suis toujours quand même en plus 7 ennemis, c'est énorme. Ils ont eu ma. Ma capitale pendant des années, des mois. Banqueroute! Ah ouais! Ils vont déclarer leur indépendance. Hein. Les gars, ça se passe à merveille là! Ils vont déclarer leur indépendance! Castille est banqueroute! Ils vont déclarer, mais genre bientôt, je pense en vrai en plus. On va te réinsulter. Voilà, nique ta mère. Et là, il me faut juste 100%. Et 100%, c'est 15. Ah, quand même. Il me faut des hommes. Voilà, indépendance. Il me faut tellement. Il me faut des hommes, les gars. Il me faut des hommes. Là, je peux les attaquer bientôt, les gars. Dans moins de 2 ans. Ils seront encore en banqueroute. Non, mais même eux, je peux les attaquer. Franchement, allons-y, hein. Ils ont rien. Attends, on va juste. Les gars, je suis tellement excité. Vous pouvez pas savoir à quel point. Casse les couilles.
En vrai, est-ce que toi tu peux aller? Les gars, c'est incroyable ce qui se passe, hein. Quelle mission? Un peu silencieux les gars, encore une fois, est-ce que je me concentre? Alors c'est dans la poche, mais c'est un peu de boulot quand même les gars, hein. Plus là ça se passe à merveille, donc gars, c'est tellement parfait là ce qui m'arrive. Donc là, je suis 15-14. Alors, attends, on va continuer, on va en refaire un petit peu plus. D'accord. On va lui apporter un d'artillerie. Lisbonne, faut que je la prenne, hein.
Chier, est-ce que je vais devoir attaquer l'Aragon du coup? Ouais, mais là, clairement, on laisse tout retomber. Il y a quoi avec la France? Je sais pas ce qu'il y a avec la France. Écoutez les gars, je crois que ça fait... Je sais pas si c'est combien de temps. Je crois que ça fait 40 minutes les gars. Écoutez, moi je kiffe. Je kiffe de ouf. Je vous propose de vous arrêter là. Je vais enchaîner les épisodes et ça sortira très vite. Ouh, what? Ok. Pourquoi pas? Une petite musique en plus. Hey, ils sont indépendants. Je sais pas comment, mais ok. Ah, je suis très très heureux en ce moment. Je suis très heureux parce que les choses se passent très très bien. Très 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 bien. C'est... Honnêtement, je suis assez content. Je vous propose un petit time-lapse. Où on a quand même assez commencé. On n'a rien eu. Puis après, on a attaqué Tlemcen et j'ai tout pris d'un coup, normalement, si je me souviens bien. Je sais pas quand, je crois que c'était en 61, non? Voilà. Après, j'ai eu Mzab, que j'ai vassalisé pour prendre tout ça à Tunis. Ensuite, je me suis fait attaquer, je me suis bien défendu, j'ai pris Ceuta et tout ça. Ce tas en premier et ça. Et ensuite, je viens de prendre ça à la au Portugal. Et la Castille me paraît très très faible. J'ai annexé ça et j'ai pris ça. Et là, tout ça, là, c'est à moi. Je suis assez heureux. Heureux, heureux, heureux. Ah, Milan. Donc tant que ma réputation diplomatique, surexpansion et annexer une dépendance. Dépendance, ça reste un petit bout de temps, ouais, 7 ans. 7 ans. 7 ans, le temps de reperdre et tout, ça me semble correct. Est-ce que la Castille sera encore en banqueroute? C'est une bonne question, une question qu'il faut se poser. Mais il y a toujours. Ouais, il y a toujours le Portugal à attaquer. Et clairement, en fait, j'aimerais bien attaquer eux quand même. En vrai, si je peux avoir la Savoie. Ouais. La Savoie s'occupera de Milan. Et moi et Truc, on s'occupera de la Castille. En vrai, ça me paraît facile. On va attendre, voilà. On va attendre 1700, 1504. Afin que ça, bon, ça aura redescendu, mais surtout que ça aura disparu et qu'on aura bien repris. On va peut-être pas attendre aussi longtemps, les gars.
on va sûrement pas attendre aussi longtemps. Ok, on verra dans le prochain épisode. Merci les bleus. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.